Yo les gars, bon j'espère que vous allez bien et je vous fais vraiment une petite vidéo un petit peu qui sort un peu du contexte habituel, mais on est toujours dans le son. Voilà, vu que j'avais eu le dernier Call of que ma femme m'a gentiment offert, ça fait longtemps que j'avais pas joué à la Play. Franchement les gars, je ne joue plus à la console et là ça traite de la Deuxième Guerre mondiale et avant je jouais beaucoup à la console. J'étais un grand... Franchement j'ai eu la PS1, la PS2, la PS3, la PS4, j'ai pas eu encore la PS5. Mais j'étais un grand gamer pendant longtemps et j'avais abandonné le truc, donc là je me suis dit vas-y, on va faire une petite vidéo et en même temps on va pouvoir tester le son qui sort sur les enceintes, tu vois, avec le petit Call of, donc sur les CF4. Donc j'ai mis ça sur les CF4 avec le Kenwood, donc là on tourne en stéréo et donc on va pouvoir apprécier un petit peu voir le son que ça va donner et puis surtout l'immersion qu'on puisse avoir. Parce que moi c'est vrai que quand je joue à la console, tu vois, c'est vraiment juste je me branche juste sur la télé et voilà, ou alors même avec le casque pour les fois où je jouais, parce qu'à l'époque le casque c'était très important pour entendre tous les bruits à droite à gauche. Donc là maintenant, même si je suis une grosse quiche aux jeux vidéo, c'est pas grave, c'est juste pour le fun. Donc voilà, on va se balancer une petite partie, tu vois, un petit match à mort par équipe. Allez, je joue en ligne en plus, tac. Et on va voir avec les clips CF4. Et j'ai branché tout ça en fait juste avec un petit boîtier. Je vous posterai la vidéo plus tard, mais j'ai mis juste un petit boîtier optique avec RCA qui convertit, convertisseur analogique numérique. Et voilà, ça on a le son de la télé qui sort de la Play sur l'ampli. Donc plutôt pratique. Alors attends, parce que là j'ai pas beaucoup de réseau, donc je vais sûrement me faire enchaîner, mais c'est pas grave. Tiens, tu vois, ouais, j'aime bien jouer avec les grosses sulfateuses là, grosses mitraillettes. Ah, c'est parti, allez go. Bon, je vais éteindre, j'ai enlevé les voix parce que... Allez, c'est parti les gars, je vais mettre un peu plus fort pour l'immersion. Tac. Hop. Mais... Allez, on met du son les gars. Oh, ça a pété. Hein. Allez, c'est parti. On a pris l'avantage. Ma vidéo va tomber dans le vidéo gag des jeux vidéo, c'est sûr. Voilà. Faire gaffe. Bombardement allié déployé. On y va, on fonce les gars. Hop. Allez, tiens. Et de deux. Ah, il était sur le côté. Ah, ça me fait délirer de rejouer à ça. Eh, hey, y a pas d'âge hein, les gars pour les jeux vidéo, je vous le dis. Hein. C'est comme pour la vie, c'est pareil. Allez. On y go les gars. On campe pas. Pas de campage. Vas-y, on voit une bombe de panneau. Mais non, je voulais pas me faire une piqûre. Bon. Ah. Ah ouais, d'accord, il vous tire dans les jambes. C'est un peu gore quand même. Vas-y, on voit une bombe de panneau. Mais ça marche bien. Allez, CF4, elles en demandent. Elles sont heureuses. Hop là, bim. Il va pas voler celle-là. Ça campe, hein. Ah ouais. Ah, il est vraiment bien fait le jeu. Celui-là, il est stylé, franchement, les gars. Ah ouais, mais attends, mais les mecs sont en train de camper aussi, les mecs. Ah les gars, je suis reconnaissant à qui. Allez. Ça campe, c'est là. Vas-y, on voit une... Ah vas-y, De toute façon... Colis allié en approche. On va changer de stratégie. C'est quoi ces bruits de garande? Reconnaissance hostile.
Attends, je vais mettre un petit peu plus fort encore, les gars. Les mecs, oh le délire, c'est vraiment un délire, les gars. Je vous dis, je à la console comme ça là, et ça rajeunit pas. Ça rajeunit pas, enfin, si ça rajeunit dans un certain sens, mais je me dis, purée, je vois ça il y a longtemps. Quoi. Et là, je reviens en mode, vas-y, on se fait une petite vidéo tranquillou. Ouais, j'ai vraiment fait de la dope. Pas si on se refait une petite partie vite fait. On va essayer de se refaire une partie quand même. Parce que là, lamination totale. Ah les conneries. Et ça marche bien sur les CF4 là. Pff, ça envoie. Hein. Franchement, ça envoie. Et vous voyez les gars, le truc c'est que j'ai même pas envie de. Tu vois, de. Le côté home cinéma me manque pas en fait. Parce que avant j'avais un home cinéma il y a longtemps. Mais là en stéréo, c'est tout à fait. C'est remarquable déjà. Franchement, je kiffe. Je kiffe déjà en stéréo. Alors attends. Hop. Qu'est-ce que j'ai de beau là-dedans? Je me suis fait des petites classes personnalisées. Faut voir si je peux pas l'améliorer cette arme là. Non mais les mecs qui jouent à ce jeu là aussi, ils jouent à H24, ils sont. Ils sont rodés les mecs. Ils sont rodés. Et encore moi avant je jouais vraiment sur un petit écran d'ordinateur. Parce que sinon t'as beaucoup de. T'as de la latence. Quand tu joues sur un écran comme ça là, de. Un écran une télé, quoi, une grande télé, du coup t'as. Entre le temps où toi tu vas te faire ça avec le bouton, et ben là-bas ça va. Il va y avoir un temps de réaction. Alors que sur un petit ordi. Un petit écran de PC, t'as beaucoup moins de latence. Tiens, je vais prendre ça. Allez. On va mettre ça. Ça je garde, ça. Allez, on met ça. Je mets tout à fond. Hein. Ah, j'ai pas eu le temps. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. Allez, on va voir sur ce petit petite carte. Alors, on va être dans l'ambiance. On va mettre un peu plus fort encore. Match à mort par équipe. Abattez tous les ennemis. Oui, mon chef. Ici. Si vous êtes pas venu pour gagner, partez. Bah, t'inquiète, que je suis là pour gagner. Là. Mais bon, ça va être dur. Ah oui, ça gêne. Gars, il campe là-bas. J'en ai vu un. Ah ouais. Ah ouais, mais les gars, arrêtez aussi là. Laissez-moi tranquille. On a pris la tête. Ah ouais, t'as vu? Il y avait toute une tribu là-bas. On est plus en tête. Reprenez-vous. C'est pas mal ici. Ah oui. On est bien en hauteur. Ah ouais. Oh là, je me fais défoncer. Hop. Je sais pas si t'as vu tout ce qui campe là-bas. Tiens, regarde, on va les déloger. Ah mais les gars... D'accord. Tu vois, le problème dans ce genre de jeu, c'est que les mecs ils sont souvent dans leur camp et ils bougent pas en fait. Ils viennent pas au contact. Donc nous, on va essayer de les contourner. De toute façon, tu vois rien. Génial. Ouais. Ça va, on installe une toile de tente si tu veux.
pas de soucis. Allez, Olga vient m'enflammer. Ah, vache. Qu'est-ce qu'on prend cher, Yermo? Même moi, je vais me faire descendre. Quand même dur. Ouais, j'en ai un. Je vais te dégommer juste après. On va changer d'arme, tiens, les gars. Reconnaissance hostile. Eh, hey. Je prends une arme de bourrin. Regarde bien. Et là, je suis en mode bourrin. Schwarzenegger, il sort, il sort. Ah. Oh, par contre, il est lourd. Hein. Ouh, 150 kilos là. Oh. Attention, bon plan d'ennemi en approche. Attention. Là, les mecs, ils sont tous désingués là. Oh, 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 ça, ça fait mal. La sulfateuse. Allez, bah venez les gars là. Je vous attends. Le gars, je tire dessus. Oh le bordel. Franchement, c'est trippant de jouer à ça. Hein. Allez. Ah, mais les gars, ils sont partout en fait. T'as l'impression, ils. Reconnaissance aussi. Ah, tu vois, ils restent. Hein. Il y a des mecs qui se téléportent, c'est des ninjas. La deuxième guerre mondiale, c'était déjà des ninjas en fait, les mecs. Il y en a derrière. C'est quoi ce mini trait de côté là? Aïe 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 aïe. Reconnaissance hostile, des espions envahissent le ciel. Ah, j'ose même plus avancer. Je vais me faire dégommer. Là-dedans, il y en a toujours, là, j'ai l'impression. Pourquoi personne n'ose traverser? Il y a quelqu'un qui va venir, là, c'est sûr. Ah, le radar. Il y a quelqu'un qui... Il y a un campeur, là. T'as vu? Regarde, qu'est-ce que je t'avais dit? Le mec, il a planté une toile de tente juste là. Voilà. Excellent. Faudrait les appeler... Quechua, sponsor pour Quechua. Les gars, on réussit à en dégommer un quand même. Lui là, attends. Ouais, il est derrière maintenant. C'est pas vrai. Incroyable. Franchement, les gars, il doit y avoir vraiment des techniques pour jouer à ce genre de jeu maintenant, parce qu'avant c'était pas comme ça. En plus, t'as intérêt à avoir la 5G parce que si t'as la 3G, c'est mort. Alors là, les gars, allez-y, venez, venez. Attention, tir de mortier. Ah, purée, il m'encercle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va essayer le fusil à pompe. C'est quand même une petite carte. Ah ouais, ouais. C'est une petite carte, mais... Vous faites pas de mon coup, attention, vous avez au bon dieu à bombardement. Allez, mec. Ils sortent de partout. Hein. C'est vraiment la guerre mondiale, hein. Oh, c'était joli, hein, avec le pompe, là. Pas mal, ça. C'est plus excitant à jouer comme ça que tu vois avec... Ah ouais, mais en même temps tu crames pour rien. Ah ouais, non mais les mecs ils campent. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable.
Regarde, ils restent tous chez eux, les mecs. Ils restent chez eux. Eh bah dis donc. On s'est blessé, mais on se prépare à repartir. Eh bah dis donc. Aïe 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 aïe. Sacré jeu. Je vous le dis, les gars. Bon. Ma foi, c'était sympa. C'était fort sympathique, cette petite partie de console là. Ah, je vais. Ouais. Bon, en tout cas. En tout cas, ça a bien fonctionné, hein. Ça a bien fonctionné avec le petit Kenwood là. CF4, ça donne bien. Au top. Vraiment, on est en plein dans l'action, ça fait plaisir. Bon bah les amis, je vous laisse. Et puis bah je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Que là tu vois, ça y est, commence déjà à faire nuit. On aurait pu même se mettre les volets fermés et être comme ça tranquillement à jouer. Allez, je vous laisse les gars, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.